Wow, c'est quoi ça? Voilà, il y a du bruit. Wow! C'est qui autour de nous? Bonsoir à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. Donc voilà, ce soir, je vous emmène dans une ancienne école qui est vraiment très intéressante par rapport au phénomène que j'ai pu enregistrer, hein. Donc au niveau de la cave, où le K2 a fluctué plusieurs fois, j'ai aussi enregistré trois toquements. Hein. Qui sont assez flippants. Donc si je reviens ce soir, c'est pas pour rien, c'est par rapport à ces phénomènes, mais aussi par rapport à d'autres matériels que j'ai pu recevoir il y a quelques jours. Donc voilà, j'ai une nouvelle lampe torche. Celle-ci n'est pas comme les autres. Donc cette lampe torche est très intéressante par rapport à ce que voilà. Elle est utilisée pour tout ce qui est enquête criminelle, donc meurtre, viol. Et je peux vous dire que voilà, vous ne serez pas déçus. Hein. Donc c'est une lampe torche UV ultraviolette. Et avec ça, on peut apercevoir les taches d'urine, les taches de sang. Il y a aussi les taches de sperme. Donc voilà, j'espère que cette lampe torche vous plaira. Mais j'ai aussi un autre matériel, c'est identique au K2, mais sauf que c'est 10 fois plus fiable et plus sûr aussi. Donc voilà, ce boîtier s'appelle le K18. Et avec celui-là, hein, franchement, je peux vous dire que on sera pas déçus, je pense. Donc je l'ai déjà utilisé et je peux vous dire que voilà. Ça fonctionne vraiment très très bien. Donc j'ai la fonction pour tout ce qui est champ magnétique, les ondes, ça détecte les portables, tout ça. Donc sur ce boîtier, il y a une petite caméra qui détecte tout ce qu'il y a. Et aussi
Voilà, comment vous expliquer ça? Capter les champs, hein, donc l'énergie qui peut y avoir autour de nous. Mais vraiment, vous serez pas déçus quand je vous montrerai ça tout à l'heure. Hein. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu ce qui va se passer ce soir. Hein. Et voilà, comme je vous le disais, c'est un lieu aussi très intéressant avec beaucoup de phénomènes. Donc j'espère que tout ça vous plaira. On a assez perdu de temps. Et c'est parti pour l'aventure. Mais j'espère qu'on aura beaucoup de résultats et voilà de phénomènes ce soir et que voilà le nouveau K18 nous apportera voilà, de beaux phénomènes. Allez, c'est parti. Oups. Bon, là c'est un peu désolé hein. La luminosité elle était baissée. Comme je vous le disais, c'est voilà, une ancienne école qui a abandonné depuis quelques années. J'ai eu voilà, des bruits assez flippants au niveau de la cave. Et c'est pourquoi aussi je reviens avec le nouveau matériel ici, ce soir. Bon, j'ai aussi voilà, essayé le nouveau boîtier. Hein. Et comme je vous l'ai expliqué, il fonctionne vraiment très très bien. Moi-même, j'ai pas été déçu, donc j'espère que ce sera le même pour vous ce soir. Hein. Désolé. J'étais imprévu. Ce qu'on va faire, c'est chez. Ah, désolé. J'ai encore de la route. Hein. Donc, on va se retrouver directement là-bas. À tout de suite. Bon, décidément, je n'ai pas de chance. Hein. Je vois que la poisse me suit. Ma lampe torche de la caméra m'a lâché. Plus de batterie d'un coup. Je trouve ça assez bizarre. Donc là, on y arrive. Mais voilà, comme je vous l'explique, on va essayer tout de suite le K18. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira, qu'on aura des résultats. C'est parti. Bon, comme je vous l'expliquais, on va devoir faire
avec ma seule lampe torche, celle-ci, et la lampe torche UV. Bon, je me dépêche un tout petit peu. Mais c'est immense. J'aurais dit, j'ai quand même fait plus de 700 mètres pour arriver jusqu'ici. Et croyez-moi, ça m'a déjà assez épuisé de marcher aussi longtemps. Vous pouvez voir dans le Nord-Pas-de-Calais en ce moment, le temps n'est pas avec nous, comme vous pouvez voir. Bon, j'espère qu'on aura de beaux phénomènes encore ce soir. Et j'espère qu'on sera seul, qu'il n'y a personne. Pleine puissance. J'espère qu'il n'y a personne. Faut voir là. Grandeur. Bon, tout est vide, malheureusement. Espérons qu'on soit seul. Désormais, le passage est par ici. Il n'y a l'air d'avoir personne. Il y a quelqu'un? Je fais juste une vidéo, hein. Une enquête. Donc voilà, n'agressez pas. Hein. Soyez à ma place, c'est pas évident. Seul. J'ai entendu du bruit au fond. Bon, j'espère que vous vous souvenez de moi. Ah, une chauve-souris. Chauve-souris d'esprit. Donc voilà, je disais, j'espère que vous vous souvenez de moi. C'est Mike.
J'ai déjà réalisé plusieurs enquêtes ici. Et vous êtes manifesté plusieurs fois. Il y a encore eu du bruit, mais est-ce que c'est... Si c'est vous, merci. Mais je suis pas sûr. Je vais allumer un boîtier. Ce qui pourra... Voilà, à vous de communiquer avec moi. Donc n'hésitez pas, hein, s'il vous plaît. Merci. Je me suis représenté. J'espère en tout cas qu'on est seul. Croyez-moi que c'est pas évident. Je regarde, voilà. S'il n'y a personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout de suite le boîtier. Je vais le sortir ici. Bon, sachez que c'est pas évident, hein, vous le savez. Et en plus de ça, il faut que... Je règle le 4-18, mais où poser le caméscope justement? N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Je vais faire. Désolé, je vais être obligé de poser le caméscope 2 secondes. Je sais pas si vous allez me voir. Hop. Et on va faire ça. Donc voilà. Donc c'est ceci, le 418. Donc avec cette antenne qui est vraiment très très fiable, vous pouvez voir. Donc là, je vais l'allumer. Vous pouvez voir déjà. N'hésitez pas, hein. S'il vous plaît. Ah, ah. Oui, oui. Oui, oui. Ah. Ma lampe torche, elle s'est éteinte. C'est filmé. Vous le voyez? Attendez, hein. Je vais poser ça 2 secondes. J'espère en tout cas que vous l'avez vu. C'est dingue. C'est complètement dingue.
N'hésitez pas, s'il vous plaît. Faites-le fluctuer, si c'est vous. Vous pouvez voir, hein, c'est dingue, c'est très très fiable. N'hésitez pas. Montrez aux personnes. Merci. Plus fort, s'il vous plaît. Si vous le touchez, ça peut, voilà, faire fluctuer le K18. N'hésitez pas. Attendez, je galère. Ah, merci. Si vous pouvez le faire jusqu'au rouge. Faut faire vraiment très très attention. Vous êtes au niveau de la cave? C'est ça? Vous vous rappelez de moi? N'hésitez pas, hein. Voilà, faites fluctuer le K18 si c'est vous. Faites-le sonner si vous y arrivez. Vous êtes où? Devant? Est-ce que vous êtes la personne ou l'entité qui s'est manifestée pour mes enquêtes, s'il vous plaît? C'est vous. Je vous remercie si vous vous manifestez en tout cas. Vous pouvez voir les amis, c'est dingue. Ah, c'est très très fiable. Est-ce que vous pouvez le refaire sonner devant les personnes, s'il vous plaît? Ceci est le K18. Si vous vous approchez, ça fera fluctuer jusqu'au rouge et ça fera sonner l'appareil. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît. Ce serait gentil de votre part. Je suis déjà venu ici plusieurs fois. Et vous êtes manifesté, hein, en tout cas. Bonjour, que je peux poser. Ça. On va se mettre. Ah, c'est moi, excusez-moi, c'est moi. Hop. C'est moi, c'est moi. Je sais pas. Vous pouvez voir que c'est très très fiable. Donc ici. C'est où il fluctue. C'est pour les champs électromagnétiques, tout ça. Bon, on va essayer avec ça 2 secondes. Hein. Voilà. Donc ceci, c'est le laser aussi. Donc où je le positionne, il va, voilà, s'il détecte quelque chose, voilà, il fait fluctuer le K18. Pour l'instant, rien. Bon, j'espère que vous l'avez vu, en tout cas. C'est pas évident, hein, sachez, hein, que c'est pas évident. Mais j'espère que vous comprenez. N'hésitez pas, s'il vous plaît.
Approchez-vous du K2, du K18, s'il vous plaît. Bon, j'ai tellement l'habitude de dire K2 que. N'hésitez pas. Touchez l'antenne. Approchez-vous de l'antenne, s'il vous plaît. Ah. Vous pouvez faire du bruit? J'ai du mal à distinguer avec les gouttes qui tombent. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Communiquer avec vous. Alors, touchez le boîtier, s'il vous plaît. N'hésitez pas, hein. Vous êtes là? Allez-y. Ah, vous voyez, vous voyez. Jusqu'au rouge. Là, par contre, ça n'a pas fait un bruit comme ça tout à l'heure. Wow. Merci, si c'est vous. Là, par contre, ça n'a pas fait un bruit comme ça tout à l'heure. Wow. Merci, si c'est vous. Vous pouvez le refaire? Le K18, ce qu'il fait. Merci. Hein. Merci. Sachez que c'est pas évident du tout. Je me répète, mais voilà. Bon là, je vais monter quand même avant. Hop. Vous pouvez voir, c'est complètement dingue. Attendez, attendez, laissez-moi. Je galère un jour. Vous savez, c'est pas évident de tout tenir en même temps, c'est. Touchez le K18, s'il vous plaît. Touchez le boîtier. Pour l'instant, il ne fait pas comme en bas. Il ne bouge plus. Vous pouvez voir. C'est dingue. Ah, les traits ne bougent plus. Vous pouvez voir. Il reste deux bâtons. Montrez aux personnes, s'il vous plaît, que vous êtes présent ici. Je suis là justement pour que vous puissiez, voilà, communiquer, dire ce que vous pensez, pourquoi vous êtes là.
Est-ce que vous êtes bloqué ici? Voyez, il n'y a plus aucune fluctuation depuis tout à l'heure. Il n'y a plus rien. Donc ça c'est le bruit de tout à l'heure, donc vous pouvez voir que voilà, c'est pas paranormal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est moi, c'est normal. Je vais. Oups. Attendez. Voilà. Donc voilà, hein, excusez-moi. Ce que j'allais vous dire, c'est que je vais arrêter avec ce boîtier, hein, avec le 418. Et voilà. Tout simplement, on va passer en vision nocturne. À tout de suite. Bon, j'ai activé la vision nocturne. Ce que j'ai fait, c'est que je suis redescendu en bas, à la cave. Je vais activer l'application Lovelus pour voir les réponses qu'on peut enregistrer ici. Si je redescends, c'est par rapport là, au phénomène que j'ai enregistré ici, c'est-à-dire les trois toquements qui se sont déroulés au niveau de la porte. Et le cadeau aussi qui a fluctué plusieurs fois. Donc là, on va faire une séance Lovelus pendant 10 minutes et après, on arrêtera. L'enquête, c'est parti. Donc j'ai déjà activé l'Ovelus. Nomenclature. Nomenclature, c'est-à-dire. Désolé si vous voyez rien. Dans l'amour, je vais contacter. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Pas de secret confié. Vous n'avez pas de secret à me confier, c'est ça? Vous voyez, c'est dingue, hein, les amis, c'est dingue. Vous voulez pas communiquer avec moi, c'est ça? Recours. Recours? Oui, c'est un recours, ça, c'est ce qui nous permet de pouvoir communiquer avec vous, montrer aux personnes qu'on n'est pas seul. Copyright Trolliarès. Poliarès, alors là je connais pas du tout ce mot-là. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Vous êtes plutôt une entité démoniaque ou une simple présence? N'hésitez pas à répondre. La copyright législation. Législation. Soyez plus clair. Ga copyright orgien. Géorgien. Vous êtes une personne née en Géorgie, c'est ça? Subtilita copyright. Subtilité. Je vais remettre une séance, hein, les amis. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Désolé si je fais. Galérer un peu. N'hésitez pas à communiquer encore, s'il vous plaît. À copyright funeste. Funeste? C'est funeste? Exa copyright nuation. Exténuation. Extermination. Il aime plus. Il aime plus.
Donc vous êtes une personne de Géorgie, c'est ça? Comment vous vous appelez? Da copyright non ka copyright est. Fils. Fils. Ne pas da copyright penser trop d'argent. C'est-à-dire ne pas penser trop d'argent. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Paradoxe. Paradoxe. De belles réponses. Géorgie. Donc peut-être que cette personne avec qui je parle vient de Géorgie. Après, à savoir les autres mots, faut que je vois ça à l'analyse encore une fois. Mais ici, comme je vous le disais, j'ai eu quand même de beaux résultats avec le cas de les bruits qu'on peut entendre. Croyez-moi, tout seul, c'est flippant. Bon, avant que je parte, s'il vous plaît. Ah bon, bah avant que je parte, hein, avant que je remonte, que je termine l'enquête, est-ce que vous pouvez essayer de faire du bruit à la cave, s'il vous plaît? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Ah, il y a eu du bruit. Je bouge pas. Vous pouvez le refaire? Faites le plus fort, s'il vous plaît. J'ai eu un petit bruit, mais est-ce que c'est ça? Attendez. S'il vous plaît, faites un dernier bruit avant que je remonte. Allez-y, s'il vous plaît. J'ai pas eu de bruit à part celui-là que j'avais entendu. Mais bon, est-ce que j'ai pu enregistrer des bruits que je peux enregistrer seulement avec la caméra? Ça se peut. Je vous l'ai déjà expliqué, ça se peut. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter au niveau de l'étage et voilà, finir l'enquête, hein, voir ce qu'on peut enregistrer d'autre. C'est parti, à tout de suite. Ah, c'est gentil. Merci. Merci à vous. C'est gentil. Ah, là, franchement, merci. Donc voilà, je viens d'allumer tout de suite le 418. Hein. Vous pouvez voir déjà qu'il fluctue. Merci. Tout à l'heure, on était ici, il ne fluctuait pas. Merci à vous. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais bientôt partir. Bon, ben voilà, vous montrez aux personnes que vous êtes ici. C'est gentil. On va monter un pont.
Merci. 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 Il était jusqu'au orange. Merci encore une fois. Ah, c'est gentil. Ah, merci. Vous pouvez le faire jusqu'au rouge, s'il vous plaît. Prenez l'énergie des lampes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir, c'est dingue, c'est dingue. Merci, jusqu'au orange. Oh là là, vous pouvez voir. Merci. Ah, c'est dingue. Merci. Oh là là, vous avez vu? Vous êtes là? Ah, merci. Vous êtes là? Vous pouvez voir les amis. Ah, c'est dingue. Merci, merci. Merci, oh là là, c'est dingue, c'est dingue. Merci à vous. Ah, c'est gentil. Ah, vous pouvez voir, il va jusqu'au rouge, bientôt au rouge, bientôt au rouge. Est-ce que vous pouvez le faire sonner, s'il vous plaît? Touchez l'antenne et mettez toute la force que vous pouvez. Et faites-le sonner jusqu'au rouge. S'il vous plaît. Même si vous n'y arrivez pas, vous le faites quand même. Merci quand même. C'est gentil. Ah, vous pouvez voir. C'est complètement dingue. Et c'est très fiable. Et vous l'avez dit, hein, ça fait quand même beaucoup d'années, pas mal d'années que vous êtes ici. Hein. Quoi, c'est gentil. Hein. C'est gentil de votre part. Hein, j'espère que tout ça vous aura plu en tout cas. Mais vraiment. Et comme je vous l'ai expliqué, le K18 est vraiment très très fiable. Merci, voilà. Merci à vous en tout cas. C'est gentil. C'est gentil. Je vais l'utiliser jusque là-bas. Mais voilà. En tout cas, merci à vous. Je m'en vais. Je vous laisse tranquille. Mais comme je l'expliquais, à chaque fois que je suis venu ici pour chaque enquête, hein. Vous êtes manifesté, hein. Et c'est vraiment gentil de votre part. Hein. Merci. Bon voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le K18. Parce que là, on a eu pas mal de résultats. Et c'était aussi pour simplement... voilà. Je suis désolé, comme vous le savez, ma lampe m'a lâché au début de l'enquête. Hein. Wow, encore ce deuxième bruit, vous avez entendu? Merci.
Ah, c'est dingue. Merci à vous. Je suis désolé, comme vous le savez, ma lampe m'a lâché au début de l'enquête. Wow, encore ce deuxième bruit. Vous avez entendu? Merci. Ah, c'est dingue. Merci à vous. Vous pouvez voir, j'ai pas mal de résultats ici. Donc voilà, comme je sais plus exactement ce que je voulais dire, mais voilà, comme j'allais vous l'expliquer, on a eu pas mal de résultats encore ce soir. Hein. Et avec le K2 qui est le K18 qui est très très fiable. Et j'ai pas été déçu en tout cas. Donc pour la lampe ultraviolette, je l'utiliserai pour la prochaine enquête. Et je pense que vous serez pas déçu. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous. C'est gentil et ça m'encourage beaucoup. Car, comme je le répète, vous êtes de plus en plus à me suivre. Et vraiment, c'est sympa de votre part. Merci à vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se retrouver pour la prochaine enquête. Allez, ciao.